σας καλωσορίζω στην ωραία μας Ελλάδα. Welcome to Greece. Bienvenue en Grèce, mes chers amis. Thank you.
Donc on va visiter la ville d'Agamemnon. Ici à droite, vous voyez avec les arcades l'église catholique, la cathédrale catholique romaine consacrée à Saint Denis, le saint patron d'Athènes. Et ici, nous voilà devant nos trois plus beaux bâtiments néoclassiques du 19e siècle. Et autant de Bavière apportées de partout de l'Europe, des ingénieurs, architectes pour élaborer le plan de la nouvelle ville capitale du pays où il est venu régner. Donc, nous avons l'Académie des sciences et des beaux-arts à droite, en style ionique, et sur les deux colonnes indépendantes, les deux dieux principaux, la déesse Athéna, la protectrice de la ville d'Athènes, et le dieu Apollon. On visite aussi Delphes consacré à Apollon. Au milieu, nous avons l'université, aussi style ionique. Vous voyez la colonne avec les volutes. Et le troisième bâtiment ici, c'est la Bibliothèque nationale. Voilà, c'est le style dorique. Sobre, austère, simple. L'austérité, sobriété, simplicité du mal. Nous avons donc construit ce fameux stade en l'honneur des premiers Jeux olympiques modernes, réactivés en 1896.
N'oubliez pas que la Grèce, c'est le pays de naissance des Jeux Olympiques et de la renaissance de ce grand festival. Alors, les anciens Jeux Olympiques en l'honneur de Zeus à Olympie, au sud d'Athènes, 400 km au sud-ouest d'Athènes, qui est entièrement construit en marbre. Le marbre, c'est un matériau qu'on trouve partout en Grèce. Vous allez voir le marbre. Alors, au nord d'Athènes, il y a le mont Pentelli. Et les carrières ne sont pas épuisées. On l'utilise toujours pour les travaux de restauration des monuments de la colline. Ah, I'm going to go.